Allez, c'est parti, deuxième combat. Contre un roublard. Hein. On a fait un duel avant, là on est contre un roublard. Donc, ouais, je conseille de jouer Velos contre roublard a priori. Intaclable et tout. Il est quel démon et feu ? Il a un épée de Tomei et compagnie. A priori, voilà, il fait les deux bombes comme tu le disais. Donc, je peux pas t'aider maintenant, malheureusement. Mais tu vas full rush, hein. Il n'y a pas trop de raison d'attendre, je pense. Tu penses ? Ouais. Mais toi, juste de l'autre côté, tu seras plus loin de sa bombe feu, tu vois. T'as plus comme c'est ça? Ok, voilà l'épée. Ouais, mais là, on va bien. Fou les deux invoques. Le roublard, il aura pas trop le temps de les tuer, tes invoques. En fait, soit. Et puis il a bien servi de commande. Ouais, bah carrément. Mais soit en fait, il peut tuer les invoques facilement. Par contre, tu vois, il peut. Ouais, non, franchement, ça va. Parce que lui, il doit déjà faire kaboum, faire péter ça, remettre une bombe, tu vois, ça va. Ah bah si, ton épée, elle tape là. Non, c'est parfait ça. Il a pas une très grosse vitesse en plus, hein, franchement. Mais je t'en prie, hein. Ça va. Non, 4500, moi, j'ai roulé plutôt le roublard à 5000, hein. Comme ça, les bombes en plus de vita. Peut-être qu'il a pas les mêmes moyens d'aller sur une île en Ottawa, c'est les anciens Steph. Hein, non, avec le Thomas, il se roublera feu, c'est parfait. Ah ouais ? Ça donne beaucoup de dommages feu et c'est important. Ah, je savais pas. Là, tu vois, il y a peut-être bot la bombe pour aligner là, mais je sais pas s'il va le faire. J'ai ton ventilateur, il fait les cheveux au vent. Moi, je te conseille de transposer la bombe. Hein. La roue, là, celle-là ? Non, plutôt l'autre. Ouais. Ah oui, vu qu'il y a déjà mon épée dessus et tout. Ouais, ouais. Et je te conseille assaut. Assaut ? Ouais, tu vas, en fait tu vas le bloquer, ça va grave le faire chier. Tu vas à son cac, tu fais un assaut et après tu lui fous deux trucs moins le suite là. Parce que tu tacles un roublard, moi je connais, hein. Tu vois les roublards c'est moi qui le joue, je sais ce qui me fait chier. Toi tu fais les trucs en F de la fuite là. Pourquoi assaut ça le gênerait ? Parce que tu le fais contre le mur. Si, oui. Vas-y, je t'explique. Si t'étais à sa place, il aurait juste à faire bot, il t'aurait poussé, il aurait pu te tacler. Ah, ok, oui, pardon. Alors que là, vérifie, je pense que tu le tacles. Voilà, parfait, alors ils sont parfaits. Oui, pardon. Parce que là, il va peut-être en tourloupe et tout. En gros, ça va grave le gêner. Hein, ça va grave le gêner. Oui, j'avais pas moi. Moi, je joue roublard contre les sacrilèges, je sais ce qui me fait chier, tu vois. Donc, je t'explique, tu fais exactement ce qui me fait chier et c'est parfait. Tu vois, l'objet de faire rémission sur toi, il va taper, il va reculer jusqu'à là. Hop, rémission en fait, ça protège les bombes, mais s'il le fait sur toi, ça permet de se pousser, tu vois. Donc, c'est pas mal joué de sa part. Franchement, il a pas mal joué. Qui continue de se booster. Il est mignon, un petit bleu. C'est pas terrible. Bon, évite de draguer tes adversaires. Je trouve ça terrible, les roublards. Mais là, tu vas fulgurant, je pense, pour aller jusqu'à lui. Et je pense que tu vas réussir. T'as assez de thèmes pour aller le bloquer, je suis pas sûr. Bon, on fait ça. Hein. Sinon, on limite. Non, voilà, il te manque un peu. Du coup, tu vas là, je dirais. Peut-être tu lui fais le sort en zone là et tu vas te barrer. Tu restes pas trop près de lui ce tour-là. Ouais, parce qu'il y a les bombes. Exactement. Toi, tu comprends. Merci. Oula, bah, la rémission sert à rien. Bah, vas-y, on va te refaire. Et reste pas trop dans les lignes. Ouais, non, ouais, voilà, moi j'aurais dit là. Parce que si tu restes dans les lignes, tu sais que t'as le roublabot et tout, il attire d'une ligne d'un coup. Là, c'est pas mal, je crois que là, elle est morte. Hein. Ah non, regarde, attends, regarde. Combien 80 points de vie, prochaine, l'autre 700, voilà, prochain tour, normalement elle va mourir. Là, faut faire attention, il va peut-être te faire un truc maintenant. Parce que là, il va faire péter là, je pense qu'il va en mettre une ici, il va se mettre ici, il va alimenter, tu vois. C'est pas très grave, hein. Franchement, t'as de quoi tanker beaucoup, ouais, hein. T'as des grosses résistances. Grosse ? Ah oui, non, mais oui, carrément. Hein. Ouais, 42, c'est beaucoup, hein. Puis t'as même le vélos, tu vois, il va aimanter. Tu vas pas prendre beaucoup, hein. 230 c'est nul. Hein. Oui, un peu, oui. C'est pas terrible, terrible. Là, la bombe, tu l'oublies, elle est morte. Ouais, t'inquiète. Donc, je pense que tu peux assaut si tu veux te barrer de là. Bah. Si, je pense que c'est pas mal, assaut. Ah, parce que si je remarche, ça me refait. Ouais, mal. Voilà, ça va te remettre 200 dégâts, c'est un peu. C'est dommage, tu vois, t'es juste à assaut. Je peux l'attirer. Moi, j'aurais dit, tu restes encore loin avec ton sort à 4 paires. Hein. Évite de te remettre au centre des bombes, tu vois. Désolé. Ça va. Ouais, voilà, tu lui fous ça et après, tu te mettras dans le coin, je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Exactement. Tu gères, hein. Là t'es vraiment bien, franchement je pense qu'il y a rien peut t'arriver. Mais moi honnêtement, hein, je pense que Sacrilleur c'est vraiment la classe contre Roublard, c'est facile quoi. Ah vraiment, je suis honnête. Après tu joues bien, hein, et regarde. Bah là fais attention parce que vu que t'as tué la bombe, il peut facilement te mettre dedans. Mais t'as tellement de résistance que normalement rien ne t'arrivera quoi. Tu vois, il est obligé de se soigner un petit peu. Calme-toi. Oh non, Sacrilleur il va mourir. Ton petit doppel, ouais. Après il est obligé de dépenser 5 ouais, PA dessus. Ouais, 2 PA, ouais. Enfin ça fait pas mal de PA dessus dépensé, tu vois, c'est du gâchis. Là il peut pas te faire grand chose, hein. Ah, il va essayer de bot. Oula. Il a quoi des PA forts, hein, ses PA? 2 PA? Bah, il peut pas. Je suis aveugle, voilà. T'inquiète. Passons bientôt à toi. Alors. Je suis gentil, moi je réponds. Ah oui, ouais, t'es gentil, pas comme moi. Hein. Attention où tu te places. Hein. Vas-y, je te dis rien, tu fais comme tu le sens. Panique pas. De temps en temps, t'as de la marge, tu peux te permettre. J'ai 2 PM après, donc je peux. C'est ça. Ça dépend, tu veux faire quoi? N'oublie pas, t'as ton épée disponible aussi. Ouais, justement, mais j'ai assez de PA en fait. Bien sûr. Tu sais que tu lui mets la pression, il sera mal niveau point de vie, ce sera quasiment gagné. Hein. Ouais. Je te dis rien, tu fais comme tu te sens. Tu me dis pas dans les grandes lignes, mais il se fait quoi? Ça dépend, on pense qu'il a déjà ses 3 bombes sur le terrain aussi.
Du coup, il peut pas te passer si facilement que ça. Voilà, ça me semble pas mal. A priori, de toute façon, même s'il te met dans les bombes maintenant, t'as tellement de résistance. Ah, trop bien. T'as tellement de résistance que genre rien peut t'arriver. Non, genre, mais elle a fait cool. En plus, je crois qu'il est taclé ton pote là. Ton pote qui est aveugle. T'as vu, elle a fait mon épée. Elle est... Bah ouais, non, mais elle est pas mal, hein. Les épées véloces, elles sont bien. Hein. Enfin, elles sont bien quand elles font ce qu'elles veulent. C'est mignon les petits trucs comme ça. Bon, il hésite, hein. Ah, Roublard, c'est pas facile. Si je gagne, j'aurais presque gagné plus vite. Hein. Ah, quoi que il non. Il t'a érodé quand même. Ouais, il t'a fait un tournant tout à l'heure. J'avais pas vu. Bon, ton pote, il panique un peu. Il est un peu perdu. Non, je vais pas lui demander si ça va, c'est pas un peu pour ça. Bon, t'as gagné, mon père. Ah, le pauvre. Tu veux le laisser gagner? Non. Bon, bah, tue-le alors. Bon, tu en as peut-être bugué plus qu'en fait. Bah, je le passe mon tour alors, non? Non, non. Non, non, pas sur ça. Bah, c'est pas équitable. C'est pas équitable, mais là, ouais, il a vraiment bugué et on va l'attendre trop longtemps. Donc, bah, dis-lui, GG, hein, tant pis. Hein. Bien joué. Bon, et c'est tout un c'est allé rapidement. Oh, 6 minutes, comparé au combat de l'Eutrop, c'est plus rapide. Ouais, d'accord, mais le combat de son, c'est vachement plus long que...